Le Rotary Club de Parakou s'agrandit. Ils sont trois à s'être engagés dans la grande famille des Rotariens. Au cours d'une cérémonie d'adoption, ils ont promis respecter leur engagement du club. À l'occasion, le président n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux jeunes Rotariens tout en leur rappelant non seulement les obligations et les valeurs fondamentales d'un Rotarien, mais aussi en leur accrochant l'insigne du Rotary Club à la boutonnière à chaque nouveau membre. Chers amis, vous venez de lire le serment. C'est un serment très important qui retrace les obligations d'un Rotarien, qui revient sur les valeurs fondamentales d'un Rotarien. Nous pouvons citer par exemple l'assiduité. Le Rotarien doit être assidu aux réunions, vous venez de le lire. Les cotisations aussi. Nous avons des cotisations que nous faisons afin de pouvoir mener nos activités. Ceux qui ne le savent pas, c'est nous avons une fondation qui est alimentée par nos cotisations et les levées de fonds que nous faisons. En dehors de ça, vous êtes revenus, chacun de vous, en lisant le serment, est revenu sur le bénévolat. Je l'ai dit tantôt à l'entame, c'est très important. Nous servons dans le bénévolat sans attendre forcément quelque chose en plus. Au cours de la cérémonie d'admission, l'une des membres du club Rotary apprécie. D'intégrer le club. Parce que je suis de nature généreuse. Et lorsque, au détour d'un atelier, j'ai eu vent de ce qu'il y a un club du champ à Parakou, je n'ai pas hésité à me rapprocher des dirigeants du club. Et j'ai eu la chance de participer à une toute première réunion. Et au cours de cette réunion, j'ai compris comment est-ce que ça fonctionne. Et tout de suite, je me suis retrouvée, puisqu'il s'agit de servir autrui. Il s'agissait de mettre à disposition un peu de ce qu'on a pour partager avec tout le monde. Heureux et content de la cérémonie, le porte-parole des nouveaux Rotariens a prononcé quelques mots de remerciement à l'endroit de leur père. Et aujourd'hui, la communauté a décidé, Dieu a décidé à ce que je fasse partie de la grande famille du Rotary Club International. Et je suis vraiment content, nous sommes vraiment très contents, que ce soit l'ami Luc, l'ami Melvina et moi, nous vous remercions pour cet accueil chaleureux et nous vous prions de bien vouloir nous accompagner, cher ami président et tous les amis qui sont ici présents, de nous accompagner dans notre mission à représenter valablement le Rotary International, où que nous soyons, que ce soit au Bénin ou partout ailleurs. Et nous prions ceux qui sont là et qui ne sont pas encore membres de la famille du Rotary Club de bien vouloir se rapprocher de nous afin que la famille s'agrandisse davantage. Dans une ambiance de gaieté et de joie, la cérémonie a pris fin sous le signe de paix. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développez votre professionnalisme, venez à Vidéo Leader. Il y a plus de 300 métiers aujourd'hui qu'un jeune peut exercer pour ne pas finir dans le chômage. Tout jeune qui s'inscrit à Vidéo Leader Formation, une fois ayant fini la formation avec une moyenne de 14, qu'il est systématiquement embauché. Il a du boulot et c'est assuré. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt!